Bonjour, je suis Alexandre, coach en séduction et relooker pour l'aspectconseil.com. Aujourd'hui, nous allons voir comment réussir son premier rendez-vous amoureux. Alors, pour un premier rendez-vous, vous devez absolument éviter les clichés comme le restaurant ou le cinéma. Privilégiez plutôt un endroit confortable pour vous deux, un bar sympa fera l'affaire. Lorsque vous arrivez sur place, proposez-lui de s'asseoir à un endroit et mettez-vous à côté d'elle. Cela va créer une proximité bien plus agréable que si vous étiez face à face, comme dans un entretien d'embauche par exemple. Une fille intéressée vous enverra des signes d'intérêt tout au long du rendez-vous. Soyez vigilant, apprenez à les reconnaître. Cela vous indiquera tout simplement que vous êtes sur la bonne voie. Pour réussir un rendez-vous amoureux, il est important de jouer sur l'aspect de complicité et de confort. Par exemple, vous pouvez lui proposer des jeux comme celui-ci. Tiens, j'ai une idée, on va faire un petit jeu. Il est super simple. Si je gagne, je te donne un gage. Et si tu gagnes, tu me donnes un gage. Okay. Le but du jeu, c'est de répondre faux à 5 questions. D'accord. Super simple. Mmh. T'es prête? Mmh. Donc, comment tu t'appelles? Caroline. D'accord. Quel âge tu as? J'ai 45 ans. Ok. T'es née où? Je suis née à Lisbonne. Ok, d'accord. Attends. On a quelle question déjà là? Quatrième. Tu viens de perdre. Ah merde. Ah c'est trop con. Si votre rendez-vous se passe comme prévu, vous sentirez qu'elle est à l'aise et vous pourrez alors lui proposer de continuer ce rendez-vous ailleurs. Si tout s'est bien déroulé, soyez galant et invitez-la, puisqu'après tout c'est vous qui l'avez invitée. Si ça s'est moins bien passé, partagez l'addition et personne ne vous en voudra. Si elle insiste pour vraiment vous inviter, c'est que vous êtes très bien débrouillé et que vous êtes sur la bonne voie. Voilà, maintenant vous savez comment réussir un premier rendez-vous amoureux, vous savez quoi faire à votre prochain rendez-vous.